French Guiana's third wave is cause for greater concern. In just a few weeks, the Brazil variant of the virus has become the dominant strain on the French overseas territory. Nous discutons avec les autorités brésiliennes et nous savons que ces différents variants, notamment le variant brésilien, ont un potentiel explosif et qu'il faut donc les maîtriser le plus tôt possible en mettant en place des mesures très fortes et très précoces. French Guiana shares a 700-kilometer-long border with Brazil, where the epidemic is out of control. The border is now closed and surveillance will be increased, with self-testing kits to be made available on the road from Brazil to Cayenne as a precautionary measure. Le Brésil, c'est juste à côté de chez nous, donc du coup, ben, c'est inquiétant. Pas inquiétant. Parce que je sais pas vous dire ce que je vois aux infos, tout ça, ça me... Peut-être parce que le fait que je suis jeune aussi, je sais pas, ça m'inquiète pas vraiment. Je suis toujours avec le masque, je prends les précautions qu'il faut. Another concern is that less than 5% of the population is vaccinated, one of the lowest rates in France, because many people are reluctant to get the jab. Travelers coming from Cayenne to metropolitan France will now have to undergo an antigen test upon landing, but the government has ruled out interrupting flights. La Guyane, c'est la France, ce n'est pas le Brésil. Au Brésil, je le disais, la situation semble hors de contrôle. En Guyane, nous avons une politique sanitaire qui est celle que nous mettons en place partout en France. An earlier curfew has been imposed in French Guiana and new restrictions could be taken in the next few days.